Le 25 mai, je viens de vivre un grand moment de concert. Ce qui n'a plus été question d'habitude ici à Cotonou. C'est très rare d'avoir des concerts de ce genre. Gens choqués, c'est bien des libertés, tu vois. Donc, moi, je lui souhaite déjà un long chemin. Je sais qu'il va réussir et il va tenir le pari, quoi. À force de travailler, il va y arriver. Mais après ce concert, j'ai retenu la leçon de toujours croire en moi comme je croyais déjà, mais ça m'a fait la force, je crois. Ça a pris un peu. C'était bien, j'étais vivant, la scène était vivante, c'était très expressif. On sentait un peu plus un métissage dans tout ce qu'on a entendu, plusieurs origines. C'était bien, c'était vivant. J'ai pas été surprise parce que David, je le connais très bien, je connais son talent. Et je me suis bien amusée et j'ai gardé le sourire comme ça du début jusqu'à la fin. Donc c'est pas un petit boucan. Et j'ai découvert son orchestre et j'ai été étonnée de voir de jeunes musiciens mettre vraiment beaucoup d'efforts. Ils ont bien joué, les musiciens. Je sens que Dalour, je te préviens, bientôt je vais te voler tous tes musiciens. Sinon c'était bien, je me suis bien amusée et bon courage à toi. Je crois en toi, j'ai pas de conseils à te donner, t'es quelqu'un de bien. Chaque fois qu'on se voit, quand on papote ensemble, on échange vraiment. Donc je crois en toi. C'était super! Voilà quoi, donc je sais que tu iras de l'avant. Au revoir Dalou. Waouh, je dois dire tout simplement waouh. En fait, je connais l'artiste, je connais Dalou, devenu Aménaga. Je savais à peu près sur à quoi je m'attendais, mais là, j'ai tout simplement été ébloui parce qu'il a beaucoup évolué depuis la dernière fois. Et voilà quoi, achetez le CD, venez à tous les concerts, supportez. Big up. C'était un très 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 bon spectacle, justement, pour moi, rester en spectateur, voir Dalou, Aménaga, excusez-moi. Je vais m'y habituer, je vais en venir sur scène. C'était super, il y avait du monde. Ce mec, il a du talent, il faut juste qu'il puisse encore continuer et ne pas lâcher prise, quoi. De toute façon, dans l'ombre, on sera toujours là pour apporter notre coup de poing, notre coup de pouce et un bon grand chemin à lui. Ce n'est pas un début parce que la scène, il connaît très bien la scène et donc voilà, je souhaite un big up à toi, Aménaga, du courage. Et comme tu le dis, réussir en Afrique, c'est ça le but. Yes. Afrique is fury. Avec sens. Yes. Est-ce que je dirais que je suis impressionnée? Je connais déjà l'artiste comme elle dit quelqu'un tout à l'heure. C'est vrai, je l'ai découvert au cours d'une émission que je tournais aussi. Et en même temps, je l'ai fait passer sur une émission à moi, à la télé et tout. Et franchement, je dois dire que je suis heureuse. Et ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que ceux que j'ai déplacés exprès pour l'occasion ont vraiment aimé, quoi. Donc je ne peux que m'estimer heureuse. J'ai déjà dit à Aménaga, Aménaga, tu vas évoluer, tu iras encore plus loin. Ce n'est que le début, ne t'en fais pas, reste tranquille et tu verras comment ça va se passer, tout simplement. Je t'attendais. On ne peut pas raconter, parce que c'était spectaculaire. Tu n'as jamais vu. Et qu'est-ce qui... Une belle étoile qui vient de naître. Ah ouais, c'est bien lancé et ça c'est... Aujourd'hui c'est une prestation de haut niveau. Moi je ne m'attendais pas trop à ça. Mais il m'a émerveillé. Je suis fier. Je vois déjà le succès, c'est déjà planté. C'est planté. Le décor est planté. Surtout, il faut avoir des objectifs dans la vie. Et surtout, ne pas oublier d'où on vient. C'est tout ce que je veux. Moi, j'étais vraiment content de mon frère, de ce qu'il a fait. Vraiment, je ne croyais pas. Mais c'est vrai, c'était génial.